C'est un verset que tout le monde connaît bien. It is a verse that everybody knows. Vous y êtes, je crois, je peux commencer. Are you there or not? Can I start? Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Après, nous prendrons Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hebrews chapter 9, verse 16 up to 18. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament of a force after me are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. Whereupon, none of the first testament we dedicated without the blood. Amen. 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 Hebrew 8. And Hebrew chapter 13, verse 8. The Bible says, I'm reading from King James Version, Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Amen. Prions le Seigneur. Let us pray to God. Seigneur notre Dieu. Father, in the name of Jesus. Nous prions pour cette lecture. We will pray for this lecture. Nous sommes convaincus. We are convinced. Et croyons que c'est toi l'auteur de la parole. And believe that you are the eternal God of this Nous world. Nous sommes convaincus. We are convinced que cette parole that this word continue à garder sa puissance. It is going to maintain its power. Nous sommes convaincus. We are convinced que toutes les oreilles that all the ears qui ont écouté cette parole that are going to listen to this word bénies, are going to receive the nous word. Nous sommes convaincus. We are convinced que tu nous donneras l'interprétation that you are going to give the interpretation la foi that is going to produce faith tes enfants among your children. Une interprétation an interpretation qui donnera la vie. That is going to give life. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour ce moment que tu nous as accordé. For this moment you have given us. Bénis chacun d'entre nous. Bless everyone among us. Bénis la volonté que chacun a manifestée. Bless everyone's will to come Bénis here. Dans ces lieux. To come in this place. Pour t'écouter nous parler. To listen your word. Seigneur tu as dit. Lord you have said. Au temps de la fin. That at the end of it. N'enseignera son frère. That no one is going to teach his brother. Mais que tous nous serons scellés de toi. But all of us are going to come c'est before you. Écarte-moi du chemin. And you are going to be the way. Écarte l'interprète du chemin. Wash and show the interpretation of the word. Descends toi-même pour nous interpréter ta parole. Come down to interpret the word for us, Lord. Ainsi nos âmes seront bénies. And our souls are going to be blessed. Commence avec ce moment. Begin with us this afternoon. Finis avec nous. And finish with us en today. De Jésus Christ, in the name of Jesus Christ. Nous avons demandé, we have prayed. Et disons, amen. We say amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous sommes très contents de nous retrouver dans la présence du Seigneur. We are blessed to see you in the presence in the midst. Que Dieu bénisse le pasteur Philippe. May God bless the pastor Philippe here. C'est une joie pour moi. And it's a joy to us. Le pasteur Claude. And the pastor Claude in our midst. Pasteur César. And also pastor César in our midst. Et tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les frères. And all the men of God and the brothers and sisters. May God bless you abundantly. Ma joie est grande de voir devant dans cette église. My joy is to see you in the assembly of the saints here. Parce que nous n'avons qu'un seul livre, c'est la Bible. Because we have only one book, which is the Bible. Nous n'avons qu'une seule doctrine, c'est l'amour. And we have only one doctrine, which is love. Nous n'avons qu'un seul Dieu, c'est Jésus. We have only one God, which is Jesus. Amen. Amen. Je suis dans une joie profonde.
I am so deep in joy de témoigner de sa grâce aujourd'hui. To testify of his grace this afternoon. Notre thème de la campagne. The theme of our campaign. C'est sortons Dieu de l'histoire. It is taking God out of history. J'ai donné un exemple hier. I gave one example yesterday. Un enfant qui avait une jambe courte. There was a child who had a short leg. Et pour lequel on a prié. And for which we have prayed. Ces deux jambes sont devenues normaux. And both her legs became normal and Amen. Normal. Praise God. Et c'est Dieu là. And that God. Ne peut pas rester dans l'histoire. That God cannot be left in history. Si Dieu reste dans l'histoire. If God remains in history, le prédicateur devient des journalistes. It means that the preachers become journalists. Amen. Praise the Lord. Ils deviennent des conférenciers. They just become conference leaders. Mais d'après ce que nous croyons, but according to what we believe, prêchons l'évangile. The God of Israel. C'est pas raconter l'histoire de la Bible. We don't preach the history of the Bible. Mais c'est montrer la puissance de la résurrection. But it's to demonstrate the history of the power of the resurrection. Descend pour parler. Si Dieu descend pour parler. And when God comes down to speak, et ce Dieu-là est incapable. And the God that God is capable. De guérir une maladie. To heal a sickness. Écoute, excusez-moi, je suis croyant du message de Frère Branham. You are going to forgive me. I'm the believer in the message. The entire message. Entire message. Yes. Okay. Yes. Je crois au message du temps de la fin. I believe in the message of Elijah. C'est lui qui se considère comme prophète. And the one that I believe is a prophet. Dit que Dieu est une église en puissance. He says that he is God, he is powerful. Non, Dieu est. Dieu haït. Oh, God hates. Ah, une église en puissance. A church without power. Et il veut se voir une église en puissance. And when he sees a church without Amenez-moi power. Amenez-moi une bêche. Bring me sin. Aidez-moi à enterrer cette église. And help me to bury that kind of a church. Je ne mérite pas. Because that kind of a church is not appelé de Christ. To be called the bride of Christ. Amen. Praise the Lord. Et si on doit lire la parole. And if we are going to read the word of God. On parle de Moïse. We speak about il Moses. Il a traversé la mer rouge. He has split the c'est la vérité. It is true. C'est pas une histoire. It is not a history. Mais c'est un récit. But it is a truth. Et nous croyons que c'est la vérité. And we believe in that truth. On dit que Josué a arrêté le soleil. The Bible says that is Joshua. Nous croyons que c'est la vérité. And we believe that is the truth. Parce que Dieu ne ment pas. Because God does not lie. Mais c'est dans l'histoire. But all that is in history. On dit que Gédéon. And they say God a vaincu les Philistins. He has conquered the Philistines. C'est pas comme histoire. It is heard. Mais c'est dans le passé. But it's in the past. Amen. Praise God. Pourquoi j'ai lu ce passage? Why did I read this text? J'ai voulu vous amener à comprendre. I wanted to bring you to the understanding. Ce que nous appelons la Bible. What we call the Bible. C'est l'ensemble des deux testaments. This is the gathering or the togetherness of l'Ancien et le Nouveau Testament. It is the combination of the Old and the New Testament. Je voulais parler ici comme sujet. I wanted to speak here on the subject. Le Testament. The Testament. Mon héritage. My inheritance. Amen. Praise the Lord. Le Testament est mon héritage. The Testament is my inheritance. Je vais m'expliquer. I am going to explain myself. Pour donner la lumière à ce que je dis. To give light to what I'm saying. Un testament c'est quoi? What is a testament? Selon la loi. According to the law. C'est une lettre posthume. It is a letter. Mais une lettre qui produit ses effets. It is a letter that produces its effects. Après la mort de son auteur. After the death of its author. Donc quand son auteur est en vie. But when the author is alive, le testament n'a pas de valeur. The testament has no value. C'est comme ça que la Bible dit. That's the reason why the Bible says. Enfin, le testament, that at the end of the testament, n'est valable. It is not c'est valuable. Si la mort du testateur est certaine. The testament is not valuable until the death of its author. Nous appelons la Bible le testament. We call the Bible a testament. C'est vrai, n'est-ce pas? It is true, isn't? C'est vrai, isn't? Is it true? Testament. It is a testament. Mais dans le naturel. But in the natural. Si on vous laisse un testament. When they give you a testament. C'est une lettre dans laquelle. It is a letter in which. Les défauts. Les défunts. Were challenges. Non, les défunts. Celui qui meurt.
Oh, the deceased. Ah, réclame cette dernière volonté. Claim whatever it has been written. Donc, dans ce qu'il a écrit, in what he has written, il y avait trois parcelles. If there was a three plots, this la one belongs to sell, this the second one belongs to this one, and the third one belongs to that one. Less. And he has that left that. But when he's alive, testament n'a aucune valeur. When he's alive, that testament has no value. Amen. Praise God. Mais dès qu'il quitte la terre, but once he left this earth, on va maintenant inaugurer le testament. We are now going to inaugurate the testament. On dirait qu'il avait un patrimoine. We are going to say that he had il avait le bien. Un legacy, voilà. He had a legacy. Ah, il avait un patrimoine. He had a legacy. Et ce patrimoine ici. And this legacy. Comment est-ce que lui-même a manifesté sa volonté? How did he show his way? Ah, pour distribuer ces biens-là. To distribute the how to whom did he share the land? On va regarder. We are going to look. La loi respecte le testament. That the law respects the testament. La famille respecte le testament. Family respect that testament. Let us accept it. Testament. But now here we have a testament. On a écrit au-dessus testament. And they've written the testament, the twelve letters, the twelve books. Vous n'avez même pas un bouton à l'intérieur. You don't even have any button inside. Vous n'avez pas une cravate. You don't have any tie. Vous n'avez pas une chemise. You don't have any shirt. Vous n'avez pas une parcelle. You don't have any land. C'est un testament. Is it really a testament? Ah. Donc si on appelle la Bible testament, when the Bible is called a testament, ça signifie que dans cette Bible, it means in this Bible, il y a un patrimoine. There is a legacy. Amen. Praise the Lord. S'il n'y a pas de patrimoine, if there is no legacy, ce n'est pas un testament. It is not a testament. Pour parler d'un testament, to talk about the testament, nous devons être sûrs. We have to be sure that inside the nous avons un héritage. We have an inheritance in there. Hallelujah. C'est là où réside le problème. That is where the problem is. Alors si mon héritage. Now, if my inheritance pour Moïse has going to remain for Moses, Abraham, pour Noé, for Noah, pour Isaac, for Isaac, pour il me sait. How does it serve me? Hey, à quoi me servira un Dieu historique? How? What is a story about that? If it does not speak today, excusez-moi, je dis, le frère Branham dit, you are going to forgive me, brothers and sisters. Le frère Branham dit ceci. The word says, que quand Gédéon travaillait au champ, that when Gédéon was tilling the land, il était en train de travailler, and he was tilling the farm, pendant la moisson, and at the time of harvest, les Philistins venaient prendre tout. The Philistines used to come and les enfants mouraient de kwashiorkor. And the children died of malnutrition. They were sick. Pénible. It was terrible. Mais it was painful. Gédéon disait en travaillant. And then Gideon said, si Josué était là. That if Joshua was there. Si Moïse était là. If Moses was there. Ces gens n'allaient pas se jouer de nous. These people were not going to play with us. Parce qu'il avait les yeux regardés vers l'arrière. Because he was looking at the back. Me dit, but my prophet tells quand vous avancez. That when you go forward. Ne soyez pas comme des crapauds. Let us not be like a frog. Like a frogs, yes. Les crapauds vont de l'avant. The frogs go ahead. Mais il a ses regards tournés vers l'arrière. But he has got his eyes looking behind. Mais nous, but now, nous pensons que la nuée avance. We believe that nous avançons avec la nuée. The clouds go forward and we go forward. La colonne de feu avance. We go forward. Nous avançons avec la colonne de feu. We go with the fire, with the cloud, with the fire. Pillar of fire. Yeah. The pillar of fire. Nous avançons avec la colonne de feu. We go with a pillar of fire. Nous avançons avec la nuée. We go with a pillar of our cloud. Gédéon s'est posé la question. Gideon asked himself. Et dans son tourment, in his moment, in his worry, is in troublesome moment, in his predicaments, Dieu descend. God descended. Il lui dit, vaillant héros.
And they came and said, look at Aaron. Lève-toi. Look at Aaron. Lift up yourself because you're going to deliver the people. Il savait que Dieu était miraculeux. Because he knew that God was miraculous. Il savait que Dieu ne va jamais sans miracle. He knew that God does not miracles and turned. Il dit, oh Seigneur. And he said, Lord. Merci, Dieu est avec nous. What if God is with us? Nous sommes les miracles. We are the miracles. Frère. Brothers, Dieu n'agit jamais. God does not act sans miracle. Without miracles. Parce que lui-même c'est le miraculeux. Because himself is miraculous. Dieu n'est pas resté avec un prophète. Non. God did not remain with the prophet. Il marche avec sa parole. God walked with his power. Tant que sa parole sera. And in his word. La puissance sera dégagée. The power is there inside. C'est pourquoi il dit. That's why he says. Je suis. I am. Il n'a pas dit j'étais. He did not say I was. Il n'a pas dit je serai. He did not say I will be. Le frère nous a prêché sur le premier jour. The brother preached to us about the church. Identifiez votre problème. And he said no, get to know. Identify your problem. In his name. Amen. Hallelujah. Tu es dans le trouble. You are in trouble. Il est Jéhovah Shalom. He is Jehovah Shalom. Tu as des besoins, des requêtes. You have a prayer request. Il est Jéhovah Jireh. He is Jehovah Jireh. Identifiez votre problème. Find out, identify your problem. À son identification. In the identification of God. Ne dites pas à Dieu. Don't tell God. Combien votre problème est grand. How big is your problem? No. Dites à votre problème. But tell your problem. Combien votre Dieu est grand. But how your God is big. Amen. How big your God is. Hallelujah. Il nous a légué un testament. He has left us with a testament. Pour les mortels. For a mortal. When he gathers with the mortal. We are going to bury. Il va mourir. He is going to die. Il va disparaître. He is going to disappear. Mais ce qui reste. But what remains. Pour respecter le testament. I am going to respect the testament. Mais pour ce testament ici. And for this testament here. Le testateur était mort. The testator has died. Pour inaugurer le testament. Just to inaugurate the testament. Amen. He died. Seulement pour inaugurer. Just to inaugurate the testament. Et il est ressuscité. And he came back to life. Pour veiller sur le testament. To be able to accomplish the testament. Le simple. The devil. Quel pouvoir. Has no power. De retenir votre bénédiction. To hold your blessing. Parce que ce que Dieu a dit. Because what God has said. Doit s'accomplir. That you Satan. Si tu n'accomplis pas sa parole. And if God does not accomplish it, arrêtez d'être Dieu. Then he has got to be God. Amen. Hallelujah. Jésus est vivant. Jesus is alive. Jésus est vivant, mon frère. Jesus is alive, my brother. Jésus est vivant. Jesus is alive. Il a dit ceci. He said this. Les œuvres que je fais. The works that I do. Vous le ferez aussi. You will do them as well. Il a dit ceci. He has said this. Voici les signes. Look at the signs. Qui accompagneront ceux qui auront cru. That are going to follow those who believe. Hallelujah. Dans l'interprétation de mon testament. In the interpretation of my testament. Il a dit ceci. He says this. Il n'est pas dit dans le testament. He is not God of the testament. Voici les signes. Look at the signs. Qui accompagneront William Branham. That are going to accompany William Branham. Il n'est pas dit voici les signes. He did not say look at the signs. Qui accompagneront Tony Osborne. No. Who are going to accompany Tony. Il n'est pas dit voici les signes. He did not say look at the signs. No. That are going to accompany Robert. Voici les signes. He says look at the signs. Qui accompagneront. Which are going to accompany. Ceux qui auront cru. Those who are going to believe. Hallelujah. Hey. Brother. Hallelujah. Écoutez. Listen to me. L'interprétation de mon testament dit ceci. The interpretation of my testament says this. Abraham avait cru à la promesse. He believed in the promise. Que la promesse était sienne. He believed that the promise qu'il avait cru. And then the moment he promised, that promise est devenu une réalité. Became a reality. Si tu te conformes à la parole. When you align yourself with the word, la parole deviendra une réalité. The word will become a reality in your life. Pose-toi la question. Ask yourself a question. Oh, je n'ai pas d'enfant. Oh, I don't have a child. J'ai prié pour au moins 7 femmes.
I prayed for at least seven dans women cette église, in this very church qui n'avaient pas d'enfants, who did not have children, qui avaient même atteint la ménopause, who were actually over menopause, des enfants, but to which God has given, to whom God has given children. Parce que si la femme, because if a woman is en train de parler, she's going to remain talking Abraham, oh the God of Abraham, il n'est pas réel aujourd'hui, who is not real today. On ne sait cette histoire. What does it serve me? Il faut que le Dieu d'Abraham, the God of Abraham, sorte de l'histoire. I must come out of it. Il devient une réalité. And becomes a reality. Afin que je le témoigne. So that I can testify of him. Comment me servira un Dieu historique? How is going to serve me the historic? Il n'est pas le même aujourd'hui. If it's not the same to me. Hey, brother. Jésus Christ. Jesus Christ. Si il n'a pas menti à Abraham. If he lied to him. Il n'a pas menti à Pierre. If he lied to him. Il n'a pas menti à Anna. If he lied to him. Il ne te mentira pas. He's not going to not. C'est un Dieu véritable et réel. It is a real God, it's a true God. Frère, brother, moi, me, je viens de l'Assemblée chrétienne de Rigini. I am. Je viens de l'Assemblée chrétienne de Rigini. I am coming from the assembly. Rigini, ok. I'm coming from Rigini assembly. Assembly. J'ai vu des miracles et des miracles. I have seen miracles and miracles. Les aveugles. I've seen the blind. Les boiteux. The lame, les anémies SS, those who had already high blood pressures, and the children who are the couples that you have a negative tests, illico, and who are the complicated cases, ils étaient rétablis sur le champ, and they were recovered on spot. J'ai vu les boiteux marcher. I saw the lame walk. J'ai vu toutes sortes de maladies. I saw all kinds of sicknesses. La sœur avait chanté, elle dit ceci. And that a certain sister said this. Litomba nini, nzambe ya masolo, akoki koza la pona bato ya mokili. A quoi nous servira un Dieu historique? What will serve us? What will the historical God save us? S'il ne peut pas réaliser les mêmes choses aujourd'hui. If he cannot accomplish the same things he promised or spoke to them. If he remains the God of the past. Ce dont on a besoin aujourd'hui. What we need today. Ce n'est pas de l'histoire d'Abraham. It is not the history of Abraham. Il avait traversé 25 ans sans enfant. He has gone through 25 years without a child. Ce dont on a besoin aujourd'hui. What we need today. C'est du Dieu d'Abraham. It's that God of Abraham. Qui puisse accomplir les mêmes œuvres aujourd'hui. That he should do the same works today. Frère. Brother. Le pasteur Ngone disait. Pastor Ngone used to say. Mutulo za simu mbanga punda azali samshote. That the maybe speak it in French, then okay. I will. Okay. Toute personne qui y a dans ses mains la mâchoire. Hey, everybody who has got a panga or a machette. No, mâchoire. Oh, everybody who has got the beard. Beard. Or a jaw. Okay, a jaw. Ah, yeah, praise God. Then animal. Of an animal n'est pas forcément Samson. Oh, it's not only it does not mean that it's Samson. Une personne qui a le bâton. Oh, okay. Just like any person who has got a bâton on hand or a stick n'est pas forcément Moïse. It's not necessarily. Les gens peuvent imiter les dons. People can copy the fire. Mais attention. But be careful. Ce qui est important. What is important? Ce n'était pas le bâton. It is not the stick. C'était le Dieu qui était derrière le bâton. It is God who was behind the stick. Hallelujah. L'interprétation du testament dit ceci. The interpretation of the testament this says is. Suivez ce qu'il dit. Follow what it says. Quand Élie est venu. When Elijah the prophet came. Les gens l'ont suivi. God followed him. People followed him. Ils étaient là de l'observer. And they were observing him. Ils commençaient à parler comme Eli. They began to speak like Elijah. Comme Eli. Where like Elijah. Comme Eli. Et Elijah on sait. They thought que la puissance. That the power. Résidait dans le fait d'être comme Eli. That the power was in acting like Elijah. Et l'interprétation nous parle de la robe d'occasion. Et
And the interpretation tells us about the robe, a second-hand robe. He did not ask for a new robe. He did not ask for a new robe. Elisha did not ask for a new robe. He did not ask Elijah to Elisha ask a new Elijah, robe. Elisha la robe. The old dress. The second hand robe. Not an event. Not a theology. There is no theology about God. Paul, le véritable théologien. The true theologian. Avant de comprendre Dieu. Before he understood God. Il devait passer en revue. He had to go through revelation. Il devait en revue. On devait He had to go through review. On a la leçon sérieux. He had to go through change of his mind. Quelqu'un qui ne connaissait rien de la théologie. So, just like somebody who does not know anything of God. En théologie. He's a science that studies God. Si le médecin fait 7 ans, 8 ans, 9 ans. If the physicians do 7, 8, 9 years. Pour étudier l'homme. To study the body of man. Ils sont incapables. And they are incapable. C'est le créateur que vous allez étudier pour comprendre. And is it the creator that you're going to study si to understand? Si quelqu'un étudie Dieu. If a person understands Dieu. And understands God. Il devient supérieur à Dieu. He becomes superior to God. Il devient Dieu. He becomes God. Mais écoutez. But listen. Quand on est entré dans le péché. When. L'homme est entré dans le péché. When a person, a man enters sin. Le Dieu surnaturel. And the God who is a supernatural. A envoyé son fils. Has sent his son. De façon surnaturelle. In a supernatural way. In a sense virginal. In a vision, in a vision birth way. Quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme. Comment est-ce que ça va se passer? How is going to happen? Il dit le Saint-Esprit découvert de son homme. And he said that they said to Mary. Hallelujah. That the Holy Spirit is going to cover you, to overshadow you. L'interprétateur de mon testament il dit ceci. The interpreter of my testament says this. Quand les gens disent, when people say que Jéhovah c'est le Père de Dieu, that Jehovah is a father of God, il pose la question. He asks a question. Entre le Saint-Esprit, between the Holy Spirit et le Père, and the Father, qui doit être le vrai Père de Jésus, who is going to be the true Father of parce Jesus? Parce que l'Écriture dit, because they're the captain, le Saint-Esprit, that the Holy Spirit, le couvreur de son ombre, is going to overshadow you. Si Jésus doit avoir un Père, and if Jesus is going to have the Father, son Père ne serait pas Jéhovah. The Father is not going to be Jehovah. Son Père sera le Saint-Esprit. The Father is going to be the Holy Spirit. Aujourd'hui. And today. Pour recevoir la guérison. To be able to receive. Pour recevoir la délivrance. To receive deliverance. Pour recevoir le salut. To receive salvation. Il n'y a qu'un seul nom. There is only one name. Qui nous a été donné. That has given to me. Il n'y a comme sur la terre. And there is no name under the sun. Il y a un nom qui délivre. The name that delivers. Qui sauve. The name that saves. Le nom qui purifie. The name that purifies. Le nom du Seigneur Jésus Christ. And that is the Lord, Savior Jesus Christ. Hallelujah. Ce n'est pas ça. It is not this. Ça c'est un dessin. This is just a picture. Ça n'a rien à voir avec Jésus. It has nothing to do with Jesus. Ce n'est pas ça. And it's not that. Là nous avons besoin que de la colonne de feu. That man is already. Pour montrer que la colonne va marcher avec l'homme. On n'a pas besoin de tout ça. We really don't need all of that. Ce n'est pas ça. It is not even that. Dieu. God. Dans la troisième dispensation. In the third dispensation. Il avait dit je serai avec vous. He said I will be with you. Et même en vous. And even you. Quelqu'un veut voir Dieu. To see God. Et Jésus est où? And where is Jesus? Tu es le manteau de Dieu. You are the mantle of God. Il est la parole. He is the word of God. Tu es le manteau de Dieu. And you are the mantle of God. Les gens te regardent. When people look at ils you. Ils voient un homme. They see a man. Si tu es converti. But when you are saved. Ce n'est pas l'homme qui vit. It is not the man that they see. Paul a compris cela. And when Paul understood that. He said. Si je vis. If I live. Ce n'est plus moi qui vis. It is not me who lives. C'est Christ qui vit en moi. But it's Christ who lives in me. Hallelujah. Quand Jésus parle aux pharisiens. When Jesus spoke to Pharisees. Il était devant eux. He was before them. Les pharisiens. And the Pharisees. Ils voulaient compliquer Jésus. They wanted to complicate him. Vous savez pourquoi Jésus était condamné? Pourquoi Jésus était mort? Do you know why Jesus died? Why he was condemned?
Parce qu'il disait qu'il était Dieu. Because he said that he was God. Amen. Hallelujah. C'est la raison pour laquelle il était crucifié. That's the reason why he was crucified. Nous l'avons entendu dire qu'il est Dieu. We heard him that is God. Comment il peut être le fils de Dieu? Why you want to say he's a child of God? Dans ton testament. But in your testament. Dans Jean chapitre 10. In John 10. Verset 34. And verse 34. Il est dit. He has said. Yesu. I like you so much. Ah, Jesus was terrible. Il était terrible. Was terrible. Il dit ceci. He says this. N'est-il pas écrit dans votre loi? Is it not written in your law? Je dis, vous êtes Dieu. I said, you are God. Si vous pouvez réfléchir un peu. And if you can try dans to la version d'Arby. In a version d'Arby. In a version d'Arby. C'est encore accentué. It is emphasized. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? That is it not written in your law? Oui. Je dis vous êtes Dieu. I say you are God. Les pharisiens, les théologiens qui étaient là. And the theologian Pharisees who were there. They looked at him. La loi a été donnée par Moïse. The law has been given by Moses. Celui-ci dit dans notre loi, lui a dit nous sommes des dieux. Lui c'est qui? And he says that in our law that we are God. Who is he? Toi tu n'as même pas 50 ans. How come he's not even 50 years old? L'interprétateur du testament me dit ceci. The author of the testament says. Jésus était jeune. Jesus was young. Mais à cause du poids du péché. But because il donnait la cause of the heaviness of sin. Quand les gens les regardaient, when people looked at him, ils le trouvaient qu'il pouvait avoir 50 ans. And they looked if he had even 50 years. Réalité, but in reality, il n'avait que 30 ans. He had just 30 years. Amen. Hallelujah. Moi, j'ai dit vous êtes Dieu. And I said that you are God. Toi, you, nous avons brûlé Abraham. We are burying Abraham. Soyez calme. Be silent. Avant que votre père Abraham. Before your father Abraham. Moi, je suis. I am. Abraham, notre ancêtre. Ah ouais, on s'est vu Abraham. You have seen Abraham. No. J'ai pas vu Abraham, c'est Abraham qui m'a vu. Ah, Abraham, c'est Abraham qui a tressailli. Il a tressailli. And he has given salvation. Qui es-tu? But you, Abraham t'a vu. Abraham a seen me. Yes. Et il a tressailli. And he has testified. Et vous mourrez dans vos péchés. And you're going to die in your sins. Si vous ne croyez pas qui? Yes. If you don't believe in whom I am. Mais qui es-tu toi? But who are you? Ah! Il est celui qui suit. Il ne rentre jamais dans l'histoire. He does not go to the history. Il ne dévance pas le temps. He goes ahead of time. All the time present. Alléluia. He's a present God. Hallelujah. Jésus est incomparable. Jesus is not comparable. Les gens se posent des questions, comment il a marché sur l'eau? People ask him, how did he walk on water? Mais il est dit au commencement, l'Esprit de Dieu. But he says that in the beginning, the Spirit of God moved up on water. Pour transmettre le message. To transmit the message. Il dit, c'est moi, c'est de celui-là. And he says that I am here. Et en anglais. And in English. Il est bien nommé. Hein? It is well known and well named. On l'appelle très bien. They call him very well. Holy Ghost. He's called the Holy Ghost. L'Esprit Phantom. The Spirit of God. Frère. Hallelujah. Donc, si tu as le Saint-Esprit. If you have the Holy Spirit. Tu marches avec un fantôme. You walk with power. With the Holy Spirit. Fantôme. You walk with the Spirit. You walk with the Spirit. You walk with the Ghost. Un monstre saint. You walk with the Ghost. Sans forme. You. Voilà. You walk with a formless person. You walk with a formless person. Tu ne peux pas le comprendre. You cannot understand Jesus. C'est cet homme-là. And it is that man qui marche avec toi. Who walks with you? Mon ange marchera devant toi. And my angel shall move with me. L'ange de l'Éternel. And the angel of God autour de ceux qui craignent son nom. Is on everyone who rules. Qui est cet ange? And who is that angel? Vous voyez Exode 3? In Exode 3. John 3, Exode. Tell the epistle of John. Exode. Or in Exodus chapter 3. Vous verrez qui est cet ange-là. You are going to know who is that angel. Il a mis la couronne de feu. When God, when he announces the Son, c'est le Seigneur. And he said that this is the Lord. Il dit qui es-tu, Seigneur. And he says, who are you, Lord? Dieu lui dit. And God told him. Après Dieu lui dit. And after God told l'ange him, lui dit. And the angel told him. L'ange. The angel. Égal à Dieu. Is God.
is equal to God. C'est l'éternel. God is eternal. Et l'ange lui dit. And the angel lui dit. And the God told. L'éternel lui dit. And the eternal God told. C'est la même personne. Is the same person. Aujourd'hui. Today. Les gens voient ce que Dieu fera demain. People look at what God will do tomorrow. Ils parlent de ce que Dieu a déjà fait hier. They talk about what God has done yesterday. Ils oublient ce que Dieu est en train de faire. They forget that what God is doing today. Amen. Hallelujah. Nous devons arriver à comprendre. We need to get to understand qui est Dieu. Who is God? Pour comprendre le sens de notre testament. So that you can understand our testament. Dans le naturel. In the natural, le testament est respecté. The testament is obeyed. Mais dans le spirituel. But in the spirit, les possesseurs du testament ne comprennent pas. The possessors of the testament, they don't understand. Ils ne comprennent pas. They don't understand. Oui, le truc que je peux vous donner là. They don't understand. Je voudrais lire quelque chose là. I would like to read something there. Je vous donnerai cette c'est en anglais, c'est je vous donnerai. I'm going to read something here for you. Le paragraphe 50. We are in a branch from the quotation 57. Possédant toutes choses. Hein? Yes, this is yes. Possessing of all things. Ah. Écoutez. We are in paragraph or quotation 57. Ok. Non, descendons un peu là, c'est trop là. Let's go down a bit. That is too far. En d'autres termes. In other words. Si j'ai appliqué cela à ce jour. What quotation? 58. 58. Ok. En d'autres termes. In other words. Si j'ai appliqué cela à ce jour. If I would apply today. Je dirais. I would say. L'église pourrait dire. The church could say. Seigneur Dieu. Lord God. Voici mon frère. Here is my brother. Il est couché là. He is lying here. Il est atteint du cancer. Stricken with cancer. Il est atteint de la tuberculose. He is stricken with tuberculosis. Il a une maladie. He has got sore and sore. J'ai saisi la promesse. I lay hold of the promise. C'est ma possession. It is my possession. C'est toi qui me l'as dit. You have taught me so. Amen. Amen. Vous y êtes? There are you. Are you there? Alors. Then, vous pouvez poursuivre cet ennemi. Then you can go after the enemy. Cet démon. That devil, elle le massacrer. And slaughter it. Exactement comme Abraham avait massacré le roi. Just as Abraham slaughtered the kings. Et a ramené sa possession. And brought back his possession. Amen, j'aime cela. Amen, I like that. Cela appartient au croyant. It is to the believer. Amen. Amen. Cependant, quotation 59. Abraham avait droit à la promesse. Yet Abraham had the right to the promise. Et la promesse était sienne. And the promise was his. Mais il devait combattre. Yet he had to fight. Pour la posséder. To possess it. Amen. Amen. Vous y êtes? There. Le croyant aujourd'hui. The believer today. Quoi que nous soyons héritiers. Yet you are heir to all the shows of all things. Quoi que nous soyons héritiers. Yet you are heir to all the bénédictions spirituelles. For every spiritual blessing. De toute bénédiction physique. Every physical blessings. De toute bénédiction que la Bible promet. Every blessing that the Bible promises. Il nous faut pourtant combattre. Yet you have to fight. Pour chaque centimètre de cela. Every inch of it. C'est ainsi que Dieu a établi cela. That is the way God got it set up. Il en a toujours été ainsi. It is always has been that way. Il vous faut combattre. You have to fight. Pour posséder ce que vous savez être à vous. To possess what you know is your own. Il vous faut combattre. You have to fight. Pour posséder cela. To possess it. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. And that is what you have to do now. Si tu prends ce testament. When you take this testament, tu liras jamais. You will never, you will never read that promis la maladie. That God promised you sickness. Tu liras jamais ici. You will never read the testament that promis d'être stérile. That God promised you sterility. Tu liras jamais ici. You will never read the testament that promis chômeur. That you will be broke. Par contre, Dieu dit, or you will be broke, jobless. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Instead, God said that he who does not work should not eat. Si tu es devant une situation, if God is in front of a situation, le premier devoir que tu as, the first homework you have, c'est de rentrer dans ton testament. It is to return to your testament. De voir qu'est-ce que Dieu m'a laissé. And to say what God has left with me. Un enfant, as a child, quand il est né, when he's born, il n'a pas besoin de connaître ce qui lui appartient. He does not need to know what belongs to him. Et le faux Abraham dit quelque part.
And the brother Abraham said, say somewhere. Pa Abraham, le frère Branham. Ah, the brother Branham. Branham says somewhere. Il dit, he says, pour être héritier, to become an cela ne dépend pas de votre bonne réputation. That does not depend on your good reputation. Quand l'enfant vient au monde, when the child is born, la condition que la loi donne, the law, the condition of the law, c'est de naître viable. It is to be healthily born. Parce que, because, un mort ne mérite pas. Because a dead, the dead don't inherit. Mais quand tu viens au monde, but when you come to the world, et tu es en vie, and you are alive, même si ton père n'a pas d'argent, even if your father does not have money, s'il mourait, son pantalon t'appartient. If he were to die, his trousers or his clothes were belong to you. Si amen. Tu nais, tu viens. If you are born and you mais come, qu'est-ce qui se passe? What is happening? L'enfant qui est né, the child who is born, peut être envoyé à gauche, may be sent to the left, il est envoyé à droite, left to the right, il est même giflé, he is even slapped. Par qui? By who? Par celui qui gère ses propres biens. By the person who manages his money. N'a pas encore pris conscience. Because he's not yet of age. Mais le jour où il prendra conscience, by the time will become, il va être la majorité. He is going to, on va l'appeler. They are going to call him. Maintenant tu as 18 ans. And now you are 18 years. On va te dire la vérité. Now we have to tell you the truth. Tu vois cette maison? Do you see this house? Ça t'appartient. It belongs to you. Voilà la liste des biens que ton père avait laissé. Do you see the list of the properties or assets? C'est ça, ça le testament qu'il avait laissé. This is a testament he left for you. Un enfant intelligent. And an intelligent child. Va entrer directement dans la maison. Is going to go inside the house. Il est dans un polo de la rue. If he was wearing casually, il prend le veste. He's going to take a suit. Comment ce travailleur peut s'habiller mieux que moi? How can this worker wear dress better than me? La première démarche. The first thing il va entrer dans cette maison. He's going to enter the house. Il va commencer à vérifier. He's going to begin to verify. J'ai combien de voitures? How many cars do I have? Combien de télévisions? How many TVs do I have? Combien de montres? How many watches I have? Il commence à vérifier. And he will begin to verify. Et maintenant il se place comme responsable. And then he's going to place himself as a responsible. C'est moi qui suis l'héritier de tous ces biens. He's going to say that I'm in the hay of all his possessions. Because he has come of age. Amen. Hallelujah. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, that's why my brother, my sister, tel que tu es là, as you are there, la Bible est ton testament. The Bible is your testament. Quand tu reçois le Saint-Esprit, when you receive the Holy Ghost, le Saint-Esprit, the Holy Ghost, c'est notre Joshua. It is our Joshua. Quand il vient, when he comes, il commence à distribuer les portions. He begins to divide. Voilà ce qui t'appartient. Look at what belongs voilà to you. Voilà ton héritage. Look at your possession. Look at your possession. Quand tu commences à tout compter, and he begins to show, tu prends la responsabilité. And you take responsibility. Tu dis, en tout cas, je suis riche. You say, really, I'm rich. La Bible. The Bible. C'est un livre condensé de richesses. It is a book that is a condensed. Ce n'est pas le thermomètre. Compress your blessings. Comme Batona Nzambe, as the people of God, qui déforme leur voix. Who deforme their voices. Pourquoi on les appelle men of God? So that they should be called men of God. They change their voices and begin to talk with a different kind of voices. Est-ce que pour parler de Dieu, faut changer la voix? Is it true that you need to change your voice in order to talk about God? Brother, le livre ici, this book here, les fumeurs de chambre utilisent ça. Even those who are smokers, they use it. Ma vie m'a rappelé ma boumou. They use it. They use it to smoke. Ma vie m'a rappelé. They don't develop stomach. Donc c'est un livre. That means this book, ça prend l'importance. It is, ça prend la valeur. It is valuable. Quand vous comprenez de quoi il est question. When you belong, you understand by what it is. Tu prends l'héritage. And when you receive your inheritance, t'es le vrai héritier. And you become the true heir. Il est héritier. Now you are heir. Prend le sens. You understand. Il prend son patrimoine. And he takes his inheritance, his legacy. Il faut dire, les autres colis, je n'en veux pas. And before the singer said, other packages, I don't need them. Les autres colis, je n'en veux pas.
Are the luggages I don't need them? Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? What is in that bag? Avant que je n'engage ma vie. Before I involve myself in that bag. Avant que je mette ma signature. Before I put my signature on that bag. Je dois connaître qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. I want to know the content in that bag. Et quand vous comprenez la valeur de la Bible. And when you understand the value of the Bible. Nous chantons avec joie. We sing here with joy. Chaque promesse dans le livre est mienne. That every promise in this book, it belongs to mine. Every chapter in this book is mine. Everything that God said belongs to me. Si tu as la jalousie, if you are jealousy, l'interprétation du testament, the interpretation of the testament, dit ceci. Says this. Que toutes les maladies sont des démons. That every sickness is a demon. L'interprète du testament nous amène maintenant. The interpreter of the testament, he brings us in Mark 16. He says, il est écrit là-bas. It is written dans votre testament. In your testament, vous imposerez les mains aux malades. You are going to lay hands on the sick. Vous chasserez les démons. You are going to chase the demons in my name. Voilà. Il dit. He says, celui qui ne croit pas, Jean 14:12. In John 14:12, he says, he who does not believe, fait semblant de croire. He pretends to believe. Amen. Amen. Il fait semblant de croire. He pretends to believe. Jean 14:12. John 14:12. Les œuvres que je fais, the works I do, vous les ferez aussi. You are going to do them as well. Parce que je serai avec vous. Because I will be with you. Et même en vous. Even inside dans you. Dans la première dispensation. In the first dispensation. On l'a appelé Jéhovah. The time was Jehovah. On l'a appelé Jéhovah. They called him Jehovah. Dieu au-dessus de nous. God above us. He has manifested himself in the fire. Jésus est venu. When Jesus came. La colonne de feu n'est apparue nulle part. The fire did not appear anywhere. Pourquoi? Why? Elle s'était incarnée en lui. Because the fire was incarnated in him. L'incarnation de la colonne. He was the incarnation of the fire. Et la voix a dit. And the voice said. Celui-ci. This one, mon fils bien-aimé. Is my fils. A qui j'ai mis mon affection. That I have the most. Listen. Oh, je suis témoin de Jéhovah. And Jesus. Le Dieu dit, je suis témoin de Jéhovah. I am Jehovah's witness. Jehovah n'a jamais demandé à quelqu'un de son témoin. God never asked anybody to be a witness. Vous serez mes témoins. Jesus said, you shall be my witness. C'est Jésus qui a dit. It is Jesus who said. Vous serez mes témoins. You shall be my témoin. Comment est-ce que vous êtes Jésus? How can you be a witness? Vous devez manifester la puissance. You have to manifest. C'est la résurrection. Jesus said, and then Jesus said, and Jesus was there. I was going to walk. And Jesus said, and Jesus said, and Jesus said, he's inside you. Brother, they want to look for le réveil. They want to look for revivals. Ah. Here you go. And nous avons entendu parler de. And we heard talking about the love war. We want to see. Let's get the love war. And what are you going to see? There is a still revival. I am the revival. Tu vois le qui parle? You that is speaking. Frère. Brother. Jésus a dit. Jesus said. Dans ton testament. That in your testament. Je l'ai dit, je le répète. I said and I repeat. Jean 10:34. In John 10. That's all. You are God. Hey. Brother. C'est bizarre, c'est le dimanche passé. I said this last Sunday. Je te rappelle. I remind you. Pour que tu appelles tout ton pote, tu viens avec, comme ça on va prier, ça va partir. So that you call all that you came and will go. L'interprète du testament dit. The author of the testament says. Que Dieu n'a pas de petit-fils. That God does not have small children. Il n'a pas de petite-fille. He does not have grandchildren and grandfils, granddaughters and grandsons. But he has only sons and daughters. Pour arriver à posséder. And to arrive to the place of possessing it. Il faut comprendre. You have to understand. Et l'interprète dit. And the interpreter says. Pour comprendre le spirituel. To be able to see the spiritual. Il faut partir du naturel. We have to go through the natural. Qu'est-ce que dit le naturel?
What does the natural says? Quand un bon père, when a good father, promet à son fils, promise the son, promet à sa fille, promises the daughter, soir, je vais t'amener les bonbons, that tonight I'm going to bring some sweets. L'enfant n'a pas demandé si papa a l'argent ou pas. The child does not ask whether the father has money or not. Il sait seulement que papa a promis. He just knows or she just knows that the father has promised. Si Dieu s'appelle maintenant son fils, and if God slaps you, and you have a prayer, there is a problem. You have a problem. Prends le testament. Take a testament. Dis que papa a promis. My father has promised. Tu es comme un enfant. Go to you are like a child. Laissez les petits enfants venir à moi. Jesus said, let the children come to see me. Le royaume des cieux est comparable aux petits enfants. Because the kingdom of God is compared to the children. Les petits enfants ne réfléchissent pas. The children don't reason. Papa n'a pas reçu son salaire. Whether the father n'est pas payé, c'est son affaire. It is his own. Je veux manger. I'm going to eat. C'est pour cette raison que Dieu nous appelle ses enfants. That's why God calls us his children. Je suis malade. I am sick. J'ai un père. I have a father. Papa, je veux la guérison. Father, I need healing. Si Dieu lit sa parole, and if God respects his word, l'interprète du testament dit, the interpreter of the testament says, le jour où Dieu, the day when God, niera une seule portion de sa parole, is going to reject the portion of his scripture, c'est le même jour qu'il arrêtera d'être Dieu. That is the day he's going to stop being God. Amen. Hallelujah. Il doit laisser. He's going to leave. Il n'est plus Dieu. He's going to say he's no longer God. Parce que c'est Dieu. Because if he's God, Frère Branham dit, Brother Branham says, Dieu est le tout puissant. God is all powerful. Ça vous le savez. That one you all know. Il est omnipotent. He's omnipotent. Vous le savez. That one you know. Mais devant ça, but before this test, Dieu est le tout faible. God, le tout faible. God, the weakness. Devant ça. Before this, il dit que Dieu est incapable. It says that God is incapable. He's incapable of changing his word. Il est incapable. He's not capable of denying his word. Il t'a promis la guérison. God promised you. Il a la postérité d'Abraham. And you have got the possession of promise. And not promise. Il est le grand prêtre de notre confession. He is the same great man, priest of to promise to deliver on his promise. Le souverain sacrificateur de notre confession. Because he is a sovereign God, and we are going to stand on that promise, that confession. Bishop Batestoma, to yaka pomute. We with the testament, we don't eat cassava leaves. Oh, we who do have a stomach problem do not eat cassava leaves. Nous ne mangeons pas les haricots. We who suffer from stomach ulcers, we don't eat beans. Let's talk about them. The brother Abraham, Abraham says, Dieu, God veut des gens. God want people qui diront non là où le médecin dit oui. Who are going to say yes where the physicians say no. Les gens qui diront oui là où le médecin dit non. The people will say yes when others say no. Le médecin dit que tu mourras. When the doctor says you will die. Le croyant vient et dit tu ne mourras pas. But the believer comes and says, "You're not going to die." Le Seigneur. This is what the Lord says. Les vents contraires. And they've got a different directions. Tu viens comme ça. You come this way. Je dis comme ça. I go that way. Frère, brother, Jésus est le tout puissant. Jesus is powerful. Mais devant sa parole, he's all powerful before his word. Faible. He's very weak on his word. Écoutez, listen, brothers. Il y a des malades. There are sick people here. On parle des maladies chroniques. We are talking about chronic illnesses. Est-ce que c'est dit dans votre testament là que vous allez souffrir éternellement? Hey, is it written in your testament that you're going to suffer to be sick forever? C'est dit dans votre testament. Is it written in your testament? Si ce n'est pas écrit, if it is not written, prenez ce que Dieu a dit. Take what God says. Renoncez à tout ce que le diable dit. And renounce what the devil says. Le diable, the devil, n'a pas de place derrière votre dos. He has no place behind your back. Amen. Yes. Sa place. The place. Selon le testament. According to the testament. C'est que tu vas écraser sa tête. What you are going to say is that you are going to crush his head. La semence de Dieu. Because you are the seed of God. Tu écraseras sa tête. You are going to crush his head. Il n'a pas de place derrière votre dos. He has got no place behind you. Il a sa place sous votre talon. He
has got your place under your soul. Il n'a pas de place derrière vous. Under your feet. C'est le moyen de la parole. If you believe the word. Dis le maladie. There is no sickness. Même pas le cancer. Even if you talk about cancer. Oh, tuberculose. Oh, tuberculosis. C'est le médecin qui a dit. It is the medical doctors who say. It is not God who said so. Le médecin n'est pas Dieu. Ah, doctors are not God. Oh, le sida est incurable. Oh, I've got HIV. It cannot be cured. C'est faux. It is false. Dieu a dit tout est possible. God says all things are possible. À celui qui croit. For those who believe. Tu es malade. Are you sick? Tu as un problème. Do you have a problem? Tu as une requête. Do you have a request? Ça coûte un prix. It cost nothing. Non, ça coûte un prix. It cost a price. Ah. Mais ce prix là. But that price. Ce n'est pas ce qu'on vous dira, amenez le frère du prophète. It is not what says that bring all the prophet. Oh, amenez l'argent. Oh, bring money. Dans mon testament, il est dit. According to my testament vous here. Vous avez reçu gratuitement. We have received freely. Donné gratuitement. And freely we shall give. Et Pierre avait compris. And God understood. Non, Pierre avait compris. And Peter understood. Il a vu cet homme-là. And he saw the man qui souffrait beaucoup d'années. Oh, who suffered for many years. Je n'ai ni or. I don't have money. Non, I don't have gold. I don't have money. Ce que j'ai. But what I have. Je te le donne. I shall give you. Le malade n'a rien à te donner. Oh, the sick person has nothing to give. Jésus a lui donné. He has Jesus to give him. Quand tu lui donnes Jésus, when you give him Jesus, il reçoit la guérison. He receives healing instantané, immediately. Amen. Immediately. Il y a la guérison miracle. There are miracles, sir. Il y a la guérison divine. There is a miracle healing, and there is also divine healing. Je ne suis pas guéri. Oh, I'm not healed. Non. Non. Ce n'est pas la faute de la parole. It is not the problem with the word. Ce n'est pas la faute du pasteur. It's not the problem with the pastor. Je vous donne un exemple. I give you an example. Pierre voit Jésus. Peter saw Jesus. Si c'est toi, Seigneur. If it's you, Jesus. Ordonne que je marche. If it's you, Lord, help me that I should walk. Oh, c'est un fantôme. Oh, it's a ghost. Ce n'est pas le Seigneur. It is not the Lord. Ordonne. Oh, Lord. On lui ordonne. And they give him. Pierre vient. And said, Peter, come. Pierre fait le premier pas. And Peter did the first step. Pas. The second step. Quand il commence à se dire. When he started to. Le monde ne parlera que de deux personnes. And the world is going on to speak of two people. Qui ont marché sur l'eau. Who walked on water. Moi et lui. And me and him. Nous sommes deux. And we walked on water. Il commence à se dire que là, les choses vont mal. Okay. And he started. Il commence à se noyer. And he started to sink. Jésus avait menti. Did John lie? Jésus a dit homme de peu de foi. Jesus said, oh man of a little faith. Si on prie pour toi. When you pray, if you can't do it, you don't have the faith. And you don't have faith. Il rentrera malade. You are going to go back. Ce n'est pas le prédicateur. It is not the preacher. Ce n'est pas la parole. It is not the word. Ce n'est pas le testament. It's not the testament. C'est votre foi. It is your faith. L'homme de peu de foi. Oh, man of little faith. Amen. Hallelujah. Faith. Brother, Jésus ne ment pas. Jesus does not lie. Jésus ne dit que la vérité. Jesus speaks nothing et but the truth. Et s'il promet quelque chose. And if he promises him, rester Dieu doit l'accomplir. To a man, God is going to accomplish. On a prié pour un aveugle. He is going to accomplish it. We have prayed for a certain blind person. Le frère. The brother spoke about it yesterday. Il vient dit mais les autres étaient guéris. Oh, the blind man came. Pourquoi Jésus ne voit pas aveugle? I've been healed, but. Pourquoi je dois avec lui? But why you remain? Il veut aller voir le prédicateur. And he went to see the preacher. Mais toi tu as interprété ton testament là. But you have interpreted your own testament. Tu m'as dit que j'étais guéri. And you told me that I was healed. Mais je ne vois pas. But I cannot see. Il dit continue à confesser que tu vois. And the preacher told him that continue to confess that you have seen. Il a dû dire je vois. Oh, he continued to confess. Et ça se moquait de lui. And the people mocked him. Ça crée l'engouement des gens. And he had a lot of noise. Vous venez se moquer de quelqu'un? Who are mocking you? Pour lequel on avait prié? For whom they have prayed? Qu'est-ce que Dieu voulait? What God wanted? Que les témoins. So that the witnesses. Oh, so that the witnesses become more. Amen. Hallelujah. Il était aveugle. He was surprised. Un jour. One day. Dans un salon de coiffure. In a certain barber shop. Pendant qu'il se faisait coiffer. While they were cutting his hair. Mais toi là. But you there. On a d'abord dit que tu es sauvé. They said you have been healed. Tu vois. And you see. Dis-moi.
But me, I say, and I said me, they pray for me. Cet homme-là, that man, m'a dit de croire. He told me to believe. Et je crois que je vois. And I believe that I see. Pendant qu'il se moquait de lui. And when they were mocking him, les yeux s'ouvrent. Their eyes opened. Il se lève. And they stood up. Avec ses cheveux, non encore à cheveux. He with his head, he commence à courir. And he starts to run. I see. Et le propriétaire du salon. And the owner of the salon. Le prophète était derrière lui. And the Bible. Le man is can see now. He's healed. Frère, brother, dans la Bible. In the Bible, Jésus était devant un aveugle de sang. Jesus was before one person born blind. Les disciples de quatre. And the disciples Luke. Ah. And they looked Jésus. Jesus. Pourquoi cet homme est aveugle? Why this person is blind? C'est parce qu'il avait péché. But is it because he sinned? C'est parce que ses parents avaient péché. Or because his parents sinned? Vous voyez la réponse de Jésus, hein? Do you know the answer of Jesus? C'est pour montrer la gloire de Dieu. It is to demonstrate the power. Ta maladie, your sickness, il a ton durée. It is not a problem. Ta malédiction. It is not a maladie. Ton problème. Okay. Il a ton durée. Et c'est seulement aujourd'hui. It is si tu es foi en Dieu. So that the power. Et que Dieu. God can be seen. Témoigne sa grandeur. So that God can testify of his power. Amen. And his bigness. C'est écrit dans ton testament. It is written in your testament. Alors pourquoi on va me donner le testament qui parle de Josué? Then why they are going to give me the testament that speaks about Joshua? Pourquoi on me donne un testament qui parle de Moïse? Why they are going to give me a testament that speaks of Moses? Pourquoi on parle de testament qui parle de Pierre? Why they are going to give me a testament that speaks of Peter? Les gens tiennent la Bible. The people hold the Bible. Ce n'est pas un thermomètre à mettre là-bas. It's not a temperature tester. Non, c'est un testament. In your armpit. Un testament sans patrimoine n'est pas un testament. It is a testament that has a legacy. Otherwise, to talk about the testament, il faut qu'il contienne un patrimoine. It has to contain a legacy. Et la Bible. And the Bible. De la couverture à la couverture. From the page to page. N'est que le condensé de témoignage. It is a compressed galaxy of testimonies. Pour que, so that, la stérile. Those who are sterile, qui lit l'histoire de Anne, the those who are barren can read the story of Anne. C'est possible. To say that it's possible. Pierre n'avait pas d'argent. Peter did not have money. Dieu n'a pas dit va chercher du travail ailleurs. God did not say go look for work somewhere. Il l'a envoyé dans le même travail qu'il faisait. And he sent him in the same job he was doing. Je prêchais ici. I preached here. Another day. Qu'as-tu dans ta main? What is it that you have in your hands? Va avec cette force que tu as dans ta main. Go with the power that you have in your hands. Pierre n'avait que la maison. God had Pierre. Peter had nothing but just a fish hook. C'est ce qu'il avait. The hook, yes. That's all he had. On ne paye pas l'impôt ici. Oh yeah, we don't pay tax. On va nous arrêter. They are going to arrest us. Les piégés là, c'est des qui ont moussé. Zachée. Si Zachée venait ici. And if they know, and they come here, mais ils vont nous arrêter ici. We don't pay tax. They are going to arrest us. Corneille pas avec le piégé, hein? Na Corneille. And Corneille. Oh, they are afraid of Jesus. Zachée, nous t'as moussé sur quoi ils avaient peur? Ah, that short man is. Dangerous. On n'a pas payé l'impôt. Hey, we did not pay tax. Maître, est-ce qu'on doit payer l'impôt? But master, are we going to pay tax? Rendre à César ce qui est à César. Give to Caesar what belongs to Caesar. À Dieu ce qui est à Dieu. And to God what belongs to God. Nous on est avec toi ici comme des faiseurs. But we are here as homeless people. Nous passons nuit dehors avec toi. We sleep outside with you. Chaque jour. Every day. Mais où tu veux l'argent? And where are we going to get money? Ils avaient oublié qu'il était Jéhovah Jiré. They forgot that he was Jehovah Jireh. De Pierre. And he said, Peter, dans la maison. Take the hook. Va là-bas. Go in the premier poisson que tu vas attraper. The first fish you're going to catch. Ouvre son ventre. Open it up. Tu trouveras l'argent. And you find money inside. Toi, Zaché. And you, Zacchaeus. Comme tu es piégé. Since you have been tested. You tax collector. Zacchaeus, ce n'était pas lui qui était venu, je donne une image, non? Parce qu'il était aussi piégé, c'est ça, non? And he was also tested. So, toi, à ce moment-là,
You sell a seed bear and count the money. Dans les yeux comme ça, il ne voyait rien. In the eyes before him, he saw nothing. C'est comme ça que l'interprète du testament aujourd'hui. That is why the interpreter or the interpreter of the author of the testament parle du regardant à l'invisible. He tells us to look into the invisible. Ne se limite pas à regarder là où ça va être le mur. The Christian should not limit himself to look at cette maladie. Je l'ai depuis 10 ans. I have it for 20 years. L'aveugle de naissance. The blind who was born blind. Pour la gloire de Dieu. It was for the glory of God. C'est lui qui était invisible à Bethesda. That one was at the Bethesda pool. 38 ans malade. 38 years of sickness. Il était guéri sans que l'homme soit agité. That he was healed before the water was moved. Sans que l'homme bouge. Before the water moved. Oh. Jésus, oh Jesus, n'est pas bon. Jesus is not good. Il est méchant. He is angry. He is a mean man. La compassion, the compassion, être bon envers tous, cannot be good before everyone. La compassion, c'est faire la volonté de Dieu. The compassion is done according to the will of God. Jésus est descendu. Jesus came down. Il n'a guéri qu'une seule personne. He healed. Not but one. C'est ça la compassion. That's a compassion. Mais aujourd'hui, that's a compassion. Tu guériras qui? Today you will c'est heal. C'est lui qui a la foi. That he who has a faith. Amen. Amen. Il passait dans la foule. He was gone. Les gens les touchaient partout. The crowds. Les gens les touchaient. And the people. Mais il a semblé quelqu'un l'avait touché différemment. But he knew that the best one person touched him. The different way. And the turn. He did. Qui m'a touché? And he says, "Oh, touch me." Et regarde. And he dit, Seigneur. And he said, mais tu es entouré de monde. You are. Il y a beaucoup de gens ici. In the crowd, there are so many people. How can you ask that question? Was who says so? I feel. Une vertu s'est dégagée là. I feel that my virtue is sortie de moi. Virtue left me. Quelqu'un m'a touché différemment. Somebody touched me in a different way. Amen. Amen. Il veut que toi tu le touches aussi différemment. He wants you to touch him in a different way. Pour que tu reçoives la guérison. To tell you so that you can receive your healing. Le prédicateur ne guérit pas. The preacher does not heal. Je vous dirai. I want to say que Jésus n'avait même pas sauvé les gens. That Jesus did not even save people. Ne soyez pas achoppés, hein. Don't be shocked. Il disait, va, ta foi t'a sauvé. He used to say that your faith has saved you. Amen. Praise God. Va, ta foi t'a sauvé. It is your faith that saves you. Tout est possible à celui qui croit. All are possible to those who believe. On a dit. Every kind of universe. Every possible. It is possible aujourd'hui. It is possible today. Les frères ont gelé pour ça. The brothers are fasted for that. Pour que tu sois délivré. So that you can be delivered. Pour que tu sois sauvé. So that you can pour be saved. Pour que tu sois guéri. So that you can pour be healed. Le chômage te quitte. So that brokenness or lack of money. Can you can come out of that? Can you say okay? Autant de classes diplômes à faute d'un. You have studied and you have diplomas. Is that photo? Is it a picture? To put in a house. Et tu trouves ça normal? And you find that to be normal. Non, mais c'est pas ce que dit ton testament. That is not what your testament says. Amen. Amen. Oh, on me fait la guerre. Oh, they fait ton testament dit. Your testament says. Ils te feront la guerre. They are ils ne te feront pas. That they will fight you. Pour nous, ça fait les gens. On ne prend moi, on ne me prend pas. Oh, there's all the time they take your testament. But your testament says, tu seras la tête et non la queue. You are going to be the head and not the tail. Il faut te réveiller. You have to revive your mind. Prendre conscience. Transform your mind et to be conscious. Posséder chaque promesse. And go to possess every promise la in Bible the testament. La vérité. The Bible is the truth. Dieu n'a pas menti à Abraham. God did not lie to Abraham. Il n'a pas menti à tout ce monde là. He did not lie to all those people. Ce n'est pas à toi qu'il va mentir. It is not to you that is going to lie. Je t'ai dit mon frère, ma soeur. I'm telling you my brother, my sister. Même le cancer. Even the cancer. N'a aucune autorité devant Dieu. Has got no power over you. Même le kyste. Whatever it is. N'a aucune puissance devant Dieu. Has no power before God. Même la cécité. Even the pressure or oh, the epilepsy or any kind of sickness. La cécité, c'est ça, c'est. Oh, blindness.
has no power over you. Ça n'a aucune autorité devant toi. Has no authority over you. Parce que Dieu a dit tout est possible. Because God says that everything is possible. Tout, ça veut dire tout. If we read it, to everything, it means everything. Everything. Et qui a dit ça? And who said so? C'est le créateur des cieux sur la terre. It is the creator of heaven and earth. You have a prayer request. Voici l'occasion. This is your chance. Voici l'occasion. This is your time. Ne regarde pas à moi. Don't look at me. Je n'ai aucune de guérison à vous donner. I don't have any healing to give you. Si vous regardez le prédicateur, vous faillirez. If you look at the preachers, you're going to be disappointed. À Dieu. Look at God. L'auteur de la parole. The author of this word. Quand on priera pour vous. When we are going to pray for you. Seigneur. You are going to say, Lord, tous les témoignages contenus dans la Bible sont vrais. If all the testimonies in the Bible are true, je voudrais aussi témoigner. I would like also to testify. Le frère John Newton Charles souvent. The brother John Newton always used to say, Nalemi matatoli ya bato, lelo ngaipe na lingina tatola. Je suis fatigué. I am tired of the testimonies of other people. Today, I also want to testify. I want to testify. Seulement les autres, pas toi. Why always others and not me? Ils ont créé notre Dieu. Why always others and not notre Dieu? Do they serve another God? Même Dieu d'Abraham. If it's the same God of Abraham. Si c'est le Dieu d'Isaac. If the same God of Isaac. D'Israël. If it's the same God of Israel. Si c'est le Dieu de Branham. If it's the same God of Branham. Le Dieu de Pierre. Lord of Peter. Qui nous sort de l'histoire maintenant. Today is going to come out of history and become today a present si as God. Parlé. If God has told you. Oh, les règles douloureuses comme les filles de la mante souvent. Oh, I have got menstruation pains all the time. Oh, les désordres de tout ça. Oh, I always have complications in my two menstruation months. Cycle de naissance. Troubles, complications in childbearing. Ce ne sont que des démons. It is nothing but demons. Ce sont des démons. They are demons. Ça sort de l'épilepsie. Oh, épilepsie. Paralysie. Oh, paralysie. Des jolis noms. Cancer. Des petits noms. Cancer. COVID-19. Des noms bien embellis là. Pretty names. Ce sont des démons. They are demons. Et tu as le pouvoir de chasser les démons. And you have the power to chase them. Amen. Frère, brother, oh j'ai le nid, oh I have a pain, j'ai l'hémorroïde, oh I have a pulse. Les géants de tous les démons, je vous appelle cancer. The giant of all sicknesses, all demons, he calls himself cancer. Un médecin qui a dit du message m'avait dit un jour. One doctor told me one day. J'ai compris pourquoi est-ce que le frère Branham disait que le cancer c'est le démon, vraiment c'est le démon. I understand why le frère Branham used to say that cancer is a demon of demons. Ah. Il dit quand vous voyez le cancer se dessiner ici. When you see cancer appears here. C'est quand ça va être ça ou de côté Moussous a dit c'est le mot. That cancer just shows a sign si here, but ici, it's already somewhere else. Il paraît de notre côté. When you remove it here, he appears somewhere else. C'est comme ça qu'il ronge la santé. That's how it destroys the health of people. Mais la Bible n'a pas dit que j'ai guéri toutes les maladies excepté les cancers. But the Bible does not say that I will heal all kinds of sickness except cancer. C'est pourquoi je te demande à toi. That's why I'm asking you, brother. Tu as un problème. Do you have a problem? Si tu n'as pas, tu n'as jamais cru en Jésus Christ. If you have never trusted in the Lord, voici l'occasion. This is your opportunity. Voici l'occasion. This is your opportunity. Jésus revient bientôt. Jesus is coming back soon. Le monde va mal. The world is going. Ça signifie que l'Église veut partir. All the ills of the world. Si tu es malade, that Jesus is coming back. Il y a quelque chose qui est tourment. If you have a sickness or something, il est sauvé. And I may be insomnia. Oh, je ne dors pas. Oh, I don't sleep. Je fais des cauchemars. I have insomnia. Oh, this and that. Léon Joe Léon. Today is your day.
Je tire la chaise ici. I pull the chair, the pulpit here. Pour que vous soyez libre de venir. So that you can be free to come. Le frère qui avait gêné avec nous là. The brothers who are fasted with us here. Peut venir. Can come. Prier. And we are going to pray. Pour n'importe quelle maladie. For any kind of sickness. La Bible dit. The Bible says. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Your body is a temple of the Holy Spirit. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Your body is not the temple for sicknesses. Frère, brother, peu importe le corps de Dieu, nous sommes là. No matter what is your problem, we are here. Avec ton problème. Come with your problem. Viens avec ton problème. Come with your problem. Jésus te guérira. Jesus will heal you right here. Le frère Branham disait. Brother Branham used to say, je peux prier pour 10 000 personnes aujourd'hui. I can pray for 10,000 people today. Même si les 10 000 personnes mouraient. Even if the 10,000 died. Demain, je prierai encore pour les malades. Tomorrow, I will pray again for parce the sick. Parce que ça ne changera pas l'écriture. Because it will never change the scripture. Tu es malade. Are you sick? Tu as un tourmente. Do you have a problem that is troubling you? Tu as ta soeur qui a un problème. Do you have your brother, your sister as a problem? Voici l'occasion qui t'est offerte. This is your opportunity given to you right here, right now. Amen. Amen. Que celui qui est malade vienne. For those who are sick, anyone sick can come forward. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine. Don't look at your neighbor on the left or on the right. C'est ta maladie à toi. It is there, your sickness. C'est ton problème à toi. It is your problem. Voici l'occasion. This is your opportunity. Si tu crois que ce qu'on a lu ici, if you believe that what we read here, les noms qu'on a cités, Abraham et tout ce monde là ici, the names that we have listed here, Abraham and others, ce sont des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu. They are people who have experienced the power of God. Voici l'occasion qui t'est offerte. This is your opportunity offered to you today. Si personne n'est malade, nous on clôture. If you are sick, non, si personne n'est malade. If there is no one who is sick, nous on clôture. Si we are going to close the service. But if there is a person who is ill, l'occasion t'est offerte. The opportunity is given to you right here, right now. Hallelujah. Okay. Okay. Son père a un problème de pied pour lequel on va prier. His father has got a leg problem, a problem with the leg, and we are going to pray. Quand on était au quatrième niveau ici, when we used to be on the fourth floor here, on m'a amené un malade. They brought me. Il y avait un malade qui avait le cancer de Burundi, on avait un masque. De? Cancer de Burundi, c'est ça les deux français. Même masque, cancer de Burundi, je crois. Okay, when we were on the fourth floor. Some people called me. Sa jambe. Some people called me and said that he had a cancer on the leg. Sur place. And we prayed. Le lendemain, ça s'est séché. The next day, it dried up. Amen. Amen. On nous a appelé. They called us. Oh no! Oh no! Papa a attrapé la folie. Oh, our father has become crazy. Il est en train de couper les habits et tout ça. He's tearing his clothes and everything. On a prié, il s'est rétabli sur les chaînes. We prayed and he was recovered at the moment. Nous sommes immediately. Nous sommes les gentils. We are the Gentiles. Nous sommes des nations. We are the nations. Nous sommes des païens. We are the pagans. Pour nous. For us. C'est comme les centeniers. It is just like the security. Les centeniers romains. The Roman. Je ne suis pas digne de recevoir. Oui, we cannot receive. Dis seulement une parole. I cannot receive you in my house, but just speak your word. Il n'y a pas longtemps. It is not long time ago. Une sœur avait attrapé la folie ici. One sister became crazy here. On est allé voir la sœur Aziza. And we went to see Sister Aziza. Oh non, là-bas. Oh, there. Notre sœur a attrapé la folie. Our sister has become mad. Elle est en train de se déchirer les habits là-bas. She begins to tear her clothes. Dès qu'on a fini la prière. When we finish prayer. On avait prié ensemble. C'était à l'église de Frère David. It was in the church with Brother David. Après la prière. After prayer. La folie est partie.
The madness disappeared. Donc je ne raconte pas des histoires. I am not talking about history. Je dis des histoires que j'ai vécues. I am not talking about stories, but I'm talking about something that I have lived and testified. Je crois en Dieu réel. I believe in the living God. J'ai vu l'enfant là hier ici. I have shown you a child here. Il avait une jambe courte. Who had one short leg? Et qui avait les souliers qu'on donne à les sandales qu'on donne à l'hôpital. And who was wearing those here at Civic Hospital, she was giving that shoe for the people, for the disabled who have shorter legs. Elle est là. She's here, right in our midst. She's in our midst. Hey, mais moi je parle avec ça. We prayed for her. Je suis allé quelque part. I went somewhere. Le frère Patrick m'a dit, ça c'est ma cousine. And brother Patrick told me that this is my cousin. On l'a chassée du mariage parce qu'elle n'a pas d'enfant. Oh, they have chased her from the marriage because she cannot conceive. Sœur, si tu crois que tu peux avoir d'enfant. And I said that sister, if you believe that you can have a child. On a prié pendant moins de 5 minutes. We prayed about less than 5 minutes. Et Dieu lui a donné l'enfant. And God gave her the child, children. Le frère Branham dit. Branham said. It is not about the rock. C'est la peur. It is about la peur. It is la prière de la Bible. Every prayer in the Bible. Qui ont réalisé les grandes choses. That have realized that. Non pas que 5 minutes. Achieved greater things. Non pas que 5 minutes. It was not minutes. Nous avons un Dieu réel. We have a real God. Viens frère, on va prier. Praise the Lord. Non frère. Come brothers, we are going to pray. Les poisons. The poison. Son père était empoisonné. His father was empoisoned. La Bible dit. The Bible says. Même si vous prenez un breuvage mortel. Even if you take a dead animal. Pastor, we don't have to. Cela ne vous fera aucun mal. That is not going to do any bad to you. C'est ce que dit mon testament. That is what my testament says. C'est ce que dit le testament. That is what is written c'est in the testament. Mon héritage. It is my inheritance. Hallelujah. Où est le frère Laurent qui était ici? Where is the brother Laurent who was here? Je n'ai pour ça. Brother Laurent, you are fasted for this. Welcome. Oh, tu as fait le cantique. Oh, you have to sing songs. Si tu chantes, votre frère Ben Gott vient. If you sing, whoever sings, another one who fasted. Il y a un frère qui chante. And others can take care of songs. Venez, on commence avec le frère. Come, we are going to start with the brother here. Son père était empoisonné. His father was imprisoned. Was given poison. La Bible dit. The Bible says. Même si vous prenez un breuvage mortel. Even if you drink poison. Cela vous fera très mal. It is not going to harm you. Nous allons chasser ce démon là. We are going to chase that demon. Et là se trouve son père. And the way his father is. Dieu le guérira. God is going to heal his father. Seigneur Jésus. Jesus Christ. Dieu notre Dieu. Hearken. Dieu le puissant vainqueur. Oh, powerful God. C'est toi qui l'as dit. Today you are saved. Et vous chasserez le démon de mort. That will chase the demons in your name. Les blessures de quelqu'un. Today the demons will go. Si on vous suit par un breuvage mortel. You are saved in your way. C'est là où vous êtes le démon. J'ai pris le temps de mon chien. J'ai chassé le démon. J'ai chassé le démon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of
Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. His power is healed. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus.
I am giving you a testimony. Il m'est arrivé de prier un jour. One day happened to me when I was in prayer. Pour une sœur. I prayed for a sister. Une sœur qui n'avait pas de cheveux. And the sister did not have hair. Je la condamnais pour la sœur Annie. And I talked to her and I condemned her sœur. She said, and he used to say, but I don't have hair. I don't have hair. Soko prier pour la sœur qui est. And we pray for her. Aujourd'hui, elle a des cheveux. Today, she has hair.
Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Oh, no, Ayebi. This one now is here. Sarah Nilobea. Sister Ayebi. Sister Ni. Not here because she's her Sunday school child. Mwanangai. Is my child. Mususu. Another one. Had a small body. And I wanted to become fat. I prayed for her. Akomi munene. And she became fat. As we pray for her, Kita. Mama Kwemi. And she started again to pray that she will become, she should become slim again. She akomi mabo kule na uti. Mama, yes. Ayebi yepe. She knows her as well. C'est pour vous dire que aucune requête. It is to show you that there's no prayer. That cannot be answered by God. Dieu n'est pas une histoire. God is not a history. Dieu is not a historical God. He is a present tense God. Il sort de l'histoire. He is out of history. Je réveille votre foi. I revive your faith. Que le prière que nous faisons soit réelle. So that the prayer that we do here become real to you. Praise God. Okay. Les frères qui sont continuent à chanter. You can continue songs, brothers. Yes, Lord. We give you praise and give you glory. Yes. Yeah. Okay. La scène ici n'est pas un problème. C'est une question. Give me one. Okay. Il parle pas d'abord de Christ. She's talking about the problem of her. Kiss is his stomach ache or ulcers. J'ai prié pour un frère la juridiction à Massina. I prayed for him, someone Massina. Mon frère Simon Mazela. The child of Simon Maseka. Mazela. Simon Mazela. Oui, bien, oui, mais Simon Mazela, c'est là, il est sur les frère. Yeah, Simon Mazela. Ayaki, qui s'est venu à mon nom? Came here with a symptom here. Je vais prêcher la parole dans la juridiction. And I was preaching here. J'ai fini de prêcher, il vient. When I finish preaching, he came. Je le touche comme ça, je prie. I touch her like this and pray. Il rentre à la maison, il m'appelle. And he went home and they called it a day. That symptom has gone. Anyway. Has left me. Je crois en Dieu réel. I believe in the real God. Je sais de quoi je parle. I know of what I'm speaking. Et quand je demande, je cite le nom des gens. And when the demons know the names of people. Non, je dis quand je parle de ça. When I talk about that, je cite le nom des gens. I call the names of people qui ont vécu ce miracle. Who have witnessed that miracle? L'estomac. L'estomac problem. Démon. It's a small poor demon qui ne représente rien devant Dieu. That has nothing lives in. Na somme de Mikonga. J'ai prié pour ça beaucoup de gens. Je l'ai passé Bofoko. Pastor Bofoko, I prayed for many people there, they were healed. La sœur là-bas avait un problème de document, il y a visa, quelque chose comme ça. Sister over there in the congregation had the problem of document, visa, something like that. On avait prié ici, elle va, on lui dirait. We prayed here and she went and she has got documents, she's there. Nous parlons de témoignages. We are talking about the testimonies that are real, that are of a real God, not what I've heard. On va chasser ce petit démon. Today, sister, we're going to chase this small demon. Na moi démon à estomac. From your hand and from your stomach. Le diable est un menteur. And the devil, he's a liar. C'est un comédien, un aventurier. He's a comedian. He's an adventurer. Jésus est capable de le défier. Jesus, he's able to destroy that demon. Prions pour la sœur. Let us pray for the sister. Toi, esprit mauvais. Yes. Il est meilleur qui m'a fait des tiges. Yes, c'est un déchet. Esprit mauvais. Il est meilleur Jesus. Il est meilleur Jesus. C'est ton nom. Il est meilleur Jesus. Il est meilleur Jesus. Il est meilleur Jesus. C'est ton nom. Jesus. Il est meilleur Jesus. Il est meilleur Jesus. Dis ce qu'on. Let's go. 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 Let's go
In the name of Jesus. 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 Thank you.
Jesus. In the name of 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 Jesus.
Out!
We have a child. Papa, ça tombe le dimanche prochain. Papa, le dimanche prochain. Oh, amis, hello. The father said today. Is that an anniversary on the moment with the camera? Somebody here. Grand dame. Yeah, madame, grand dame. On prie pour l'enfant. We pray for the child. Nous ne baptisons pas les enfants. We don't baptize children. Nous le consacrons à l'Éternel. We consecrate to the Lord. Seigneur notre Dieu. Nous prions pour cet enfant. We pray for this child. C'est un don que tu nous as donné. It is a gift that you have given to us. Nous le recevons au nom de Jésus Christ. And we receive this gift in the name of Jesus Christ. Nous prions, Seigneur. And we pray, Lord, de disposer des moyens that bring provisions. Des moyens aux parents. The provisions to the parents. Pour que cet enfant, so that this child soit bien nourri, so that this child must be well fed, qu'il soit bien habillé, so that he can be well dressed, qu'il soit bien scolarisé, so that he can go to school well. Et nous te prions, Seigneur. We pray, Lord, que tous les démons, that all demons, que tous les esprits, that all spirits, de cet âge de la femme, that should leave the child, qui rôde autour des enfants, that shall leave all the children. Puisse quitter cet enfant. Lord, we consecrate this child. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tous les esprits les quittent. Every Celtic spirit. Si tu veux les garder. Lord, if you want to keep them. Take it. Grandisse dans la tête de ton nom. Lord, let them grow in your name, Lord. Et qu'un jour ils te servent. That one day they will serve you, Lord. Nous ne manquerons pas de louer et de glorifier. Lord, we glorify you in the name of Jesus. Bénis cet enfant. Bless this child, Lord. Qu'il soit plein de sagesse. That he should be full of wisdom. Plein d'intelligence. Full of intelligence, Lord. Que tous les démons le quittent. That all demonic forces may be. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Nous envierons la colonne de feu. We surround him with the cloud of fire. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. On prie pour l'enfant. Deux ans. We pray for the child as well here. C'est mon ami. On va prier. Seigneur Jésus notre Dieu. Lord Jesus our God. Nous prions pour cet enfant. We pray for this child. Qui vient d'ajouter une année de plus. That she should add another year again. She has added another year. Jusqu'ici tu l'as gardé. And to now you have preserved her. Tu es notre pierre de secours. Come, my people, to our rescue. Nous t'appelons Ebenezer. We call you Father. Bénis cet enfant. Bless this child. Qu'elle grandisse sans maladie. Let her grow without any sickness. Qu'elle sans problème. Without any problem. Que tous les démons. That all demons. Que tous les esprits. That all spirits. Qui tournent autour des enfants. That the ten around children. Comme il est écrit. They will never see her. Comme il est écrit. Because it's written. Au temps de la fin. That at the end of time. Les enfants seraient rebelles à leurs parents. In the last days, the children are going to be rebellious to their parents. Nous chassons ces esprits. We chase those spirits. Au nom de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus. Que cet enfant soit consacré à toi. That this child be consecrated to you. Il grandisse à la crainte de ton nom. That he will pray, he will fear your name, Lord. Je te serve un jour. That she will serve you one day. Comme ses parents te servent. As the parents are serving you, Lord. Qu'elle soit une bénédiction pour l'église. Let her be God a model for the church. Qu'elle soit une bénédiction pour la famille. Let her be a blessing to the church and to the family. Une bénédiction pour la société. Let her be a blessing, mighty God, to the society. Et une bénédiction pour toute la nation. And be a blessing to the nation. Father. Ainsi ton nom sera élevé. And your name shall be lifted high. Bénis la richement.
Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Que soit plein de sagesse et d'intelligence. Let them be full of wisdom and stature. Et qu'elle grandisse en toute pureté et sainteté. Let her grow in all purity and holiness, Lord. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous disons amen. We have said amen. Okay. Que le Seigneur bénisse. May the name of the Lord. Nous allons. We are going to. Nous les autres, je crois, il y a des brochures qu'on va distribuer là-bas. There are. Pour qu'on fasse la prière. There are flyers that you are going to distribute here. Mais we are going to. Il y a beaucoup de titres. There are so many titles in these flyers. Les serviteurs. These brochures. Excusez. Les serviteurs, je peux prendre même comme 5 titres. The servant of God can take 5 titles of the booklets. Que les autres prennent ne serait-ce que 2 titres pour que ça suffise pour tout le monde. So that other people please can take 2 booklets so that they can be sufficient for everyone. C'est en anglais seulement. Unfortunately, it's all in English. Ce sont des prédications. They are sermons, they are preachings. Allez lire ça, ça vous fera du bien. Go read that. They are going to bless you. Ok. Et à la fin, il y a and at the end, un menu qui avait été préparé. There is a small meal that has been prepared on your behalf. Pour qu'on se sépare en toute joie. So that you can separate, depart from this place même si with all joy. La douleur augmente. Even though your pain may increase. L'envahisseur, s'il veut sortir, il fait les dégâts. Parce qu'il ne sait pas par où sortir. Le malheureux locataire, un démon. S'il veut sortir, when the demons want to live here, il fait les dégâts. They cause trouble. Oh non, la maladie s'empire. Oh, the sickness become worse. Tu vas continuer à appliquer la foi sur cela. Continue to apply your faith. Dans la prédication ici, In this preaching today, les gens vous posséderont toutes choses. Oh, exactly. Mesa muke. Boy, la wote mesa muke kaka. Yeah. Please don't. Let us not fight for this booklet. We have a few of these. Vous n'avez pas à demander au diable de partir. According to this booklet, you don't ask the demon to leave. Vous avez à lui obliger. You have given authority as a believer to command them to leave. Don't. To command them to leave. Non, diable, si tu peux quitter ce corps, non. Oh, not a demon. Maybe if you can leave, no. Le croyant me dit que Dieu a dit à la femme à la fille de la tyrannie, je te donne. The believer of a messenger church say believe. Mais toi, quand tu chasses les démons, tu dis quoi? When you chase the demons, what do you say? Je te donne. As a child of this house, you give command to the demon. I command you to leave. Okay, le temps tellement avancé. The time has is not on our side. Papa Paul va clôturer la prière. The man of God, he is going to close the service. Le panier passe d'abord. Oh, first offerings, please. Pendant qu'il chante le panier passe. The offering basket. The moment they are bringing around the basket, the offering baskets. Papa. Bon, comprendre un jour à souvenir de l'élastique, faut prier pour comprendre les gars. Et puis dans la mesure de Dieu, on est dans la joie, non? You can give offering. Bon, limite, ça va. You can also give offering. Hein? You can also give offering. Thank you. Bon, quel est un moment matin? Bon, quel est un pico pour vous avoir gardé longtemps? We forgive us that we have kept you for so long. Ok, Papa Claude va prier. The man of God is going to close the service. Pas encore, pas encore. Ok. Et je vous remercie pour la...
Let us be on our feet to pray. Prions le Seigneur. Let us pray to the Lord. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, c'est vraiment un grand privilège pour nous de nous retrouver en ces lieux. Tu as toujours dit, l'évangélisation, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et quand nous nous retrouvons en ce lieu, Père bien-aimé, nous Amen. Ne sortirons pas tel que nous étions entrés. Amen, Lord. Quelque chose doit changer dans chaque vie, Seigneur. Yes, Lord. Nous yes, devons Lord. D'abord croire cela, Père bien-aimé. Yes, Lord. Et nous croyons aussi, Père, que nous vivons le temps Amen. Plus difficile où le diable est en train d'opérer à l'intérieur de nous. Amen. Mais avec ce grand message de l'heure, yes, Lord. A révélé toutes les pensées de l'ennemi. Yes, Lord. Il a amené tout genre de troubles. Il a amené des maladies. Il a yes, amené des interprétations. Yes, il a amené Lord. Beaucoup de mauvaises choses. Yes, il a fallu une voix qui est venue en ces temps de la fin. Yes, et Lord. Tu as envoyé et Malachi yes, 4, élu yes, le prophète, pour révéler yes, la Lord. Pensée, la volonté de Dieu au temps de la fin. Yes, l'évangélisation, c'est yes, Malachi 4. Yes, oh, Père bien-aimé, c'est yes, ce Lord. Grand message. Qui yes, amène Lord. L'autorité du Fils. Yes, qui doit, Dieu bien-aimé, manifester yes, la puissance de Dieu aujourd'hui. Yes, c'est pourquoi, Dieu bien-aimé, quand nous prions sur le malade, yes, nous Lord. Nous posons sur les promesses. Yes, nous Lord. Ne prions pas en l'air, Seigneur. Yes, ainsi, Lord. Père bien-aimé, puisse yes, convaincre chaque enfant de Dieu. Yes, tu Lord. Es venu devant ici. Yes, et Lord. Quand on a prié sur lui, yes, tu Lord. Crois de yes, tout Lord. Son cœur. Que yes, Lord. Dieu yes, Lord. Que tout ce don qu'il avait demandé, yes, Lord. Été accordé. Yes, parce Lord. Que nous l'avons fait. C'est yes, la promesse que Dieu yes, nous a donné. Yes, ainsi, Lord. Père, bénis ton serviteur. Yes, pour Lord. Organisé, Père bien-aimé, yes, cette Lord. Convention. Yes, bénis Lord. Tes enfants. Bénis tous ceux qui ont réuni leurs efforts pour yes, que ce soit au Dieu bien-aimé. Yes, Lord. Bénis, Seigneur. Les efforts de la nourriture, yes, l'argent Lord. Qui a été dépensé, les yes, choses qui se sont menées pour que les choses soient faites, soient mises en ordre. Ainsi, nous prions pour la nourriture. Bénis, yes, Père bien-aimé, cette nourriture et bénis les ressources. Amen. Et bénis nous qui allons manger. Yes, nous les Lord. Sanctifions en yes. les prenant avec action de grâce. Yes, va Lord. Avec chacun de nous, que ceci soit un mémorial, yes, Dieu Lord. Bien-aimé, pour que demain, que yes, tes Lord. Enfants retournent pour la réunion des témoignages. Nous te le demandons pour la gloire de ton nom, au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. 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 Prions pour la nourriture, là. Let us pray for the food. C'est vous l'avez prêché. Oh, yes, pray. Nous prions pour la nourriture qu'on yes, a prêtée. Laissons le prendre, que nous se prenons avec action de grâce. Yes, Lord. S'il y a quelque chose d'impur qui s'y était glissé. Yes, Lord. Que cela soit anéanti. Yes, Lord. Car il est écrit que tu es purifié par la prière et par la parole. Yes, Lord. Purifie cette nourriture. Yes, Lord. Les mains qui l'ont apprêté. Mais la source de provenance. Yes, Lord. Que les greniers, d'où est sorti cet argent, yes, ne soient pas vides. Yes, au Lord. Nom de Jésus-Christ, nous te demandons, disons. Yes, Amen. Lord. Amen. Que les huissiers essaient de classer les brochures. Attends, on va ça, pour être belé. N'invitez pas. Obi. Et ça, la grande Nina. Carton, moi, c'est mon nom. Les brochures. Hein. Mais tu as commis trial. Matrial, et ça, c'est 5 ou 6 titres. Alors, ce que tu as dit, c'est que tu as dit, moi, mais ça, 6. Pas de différence. Yeah, it's not one title, but there are 6. Trial, et ça, 6. Ah, et quoi, ça va 50, 40, quelques pourcents. Donc ça va, ce sera votre titre, hein? This can be about 40 something. Passer la prendre. Comment
Oh, il est là, le petit
Come on.